Vous écoutez RTL. Et tout de suite, Esprit, es-tu là ? Bonjour Viviane Perret. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Soyez la bienvenue, vous êtes historienne et écrivain. Alors avec vous, avant d'invoquer comme vous voulez, l'esprit d'Allan Kardec, le père français du spiritisme, à quelle époque il a vécu ? Alors pour donner des repères historiques, il est né sous le Premier Empire et il est mort sous le Second Empire. Donc est 1800... moitié du 19e siècle. Voilà, aussi, il est né en 1804 et il est mort en 1969, à la veille de la Commune. Alors moi, si on me dit spiritisme aujourd'hui, je vois des tables tournées, je vois des gens un peu zinzin qui parlent à des gens de leur famille ou qui essayent de parler à des gens de leur famille, à des esprits. C'est quoi le spiritisme ? Lubie, imposture ou philosophie, doctrine ? C'est une doctrine qui s'ancre totalement dans son milieu historique, et spirituel et politique. C'est une doctrine qui se fonde sur l'observation scientifique de faits surnaturels, mais elle ne vient pas comme ça, hein. Elle s'est appuyée sur toute une série de mouvements. De mouvements francophones avec le fourriérisme, et puis aussi de mouvements qui viennent des pays anglo-saxons, le spiritualisme. Bon bah, le fourriérisme, base, tout à l'heure, vous nous direz ce que oui, c'est quand même. Mais la base, c'est de rentrer en contact avec les esprits du passé, c'est ça ? Alors, non. La base, c'est de rentrer en communication avec des esprits, ouais, de façon à pouvoir évoluer et progresser. D'accord. Ça n'est pas simplement communiquer avec votre oncle qui est décédé, okay, ou avec votre grand-père. Ça va au-delà de ça. Il y a une volonté scientifique de progresser. Alors, on va raconter l'histoire d'Allan Kardec et raconter comment il a fondé cette doctrine du spiritisme en France grâce à des centaines de séances, expériences à venir sur RTL. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivaille, est né le 3 octobre 1804 à Lyon. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. De 1854 à 1856, il assiste à de nombreux cas, des séances de table tournante, ou encore de l'écriture automatique. La curiosité est un vilain défaut. Ces synthèses deviendront les deux ouvrages fondateurs du spiritisme. RTL. Le livre des esprits et le livre des médiums. Il paraît que c'est un médium et qu'il prédit l'avenir. Ah, te connaissant, je savais bien qu'il y avait un truc surnaturel là-dessus. Le spiritisme dans l'œil de notre curiosité avec l'historienne et écrivain Viviane Perret. Quand Allan Kardec fonde la doctrine du spiritisme en France au milieu du 19e siècle, il donne un nom à quelque chose qui existe déjà aux États-Unis, c'est le spiritualisme. C'est quoi ? Alors le spiritualisme est né en 1848 dans un petit village pas très très loin de New York. Vous avez deux jeunes filles, Maggie et Kate, deux adolescentes qui commencent à entendre des coups dans le mur et qui se mettent à dialoguer avec un esprit. Alors évidemment, au départ, on se dit sont des facéties de gamines, et puis on appelle la voisine, et puis la voisine appelle les voisins, et puis on se retrouve au milieu de la nuit à entendre ces coups. Mmh. C'est le fondement du spiritualisme, qui est une communication avec les esprits. Alors bien sûr, communiquer avec les morts, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est vieux comme l'humanité. C'est vieux comme l'humanité. Qu'on communique avec les morts. Vous dites que communiquer avec les morts, c'est évident et naturel, parce que moi, j'en suis pas convaincue du tout, par exemple. Non, je veux dire, le principe de vouloir communiquer, d'accord, avec, ouais, les morts, c'est très ancien, mais le spiritualisme a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Surtout, ça s'inscrit dans un phénomène qu'on a appelé le second réveil religieux aux États-Unis, où vous avez une multiplication des sectes protestantes. Alors en français, le mot secte a une connotation péjorative. Il ne faut pas du tout l'entendre comme ça. Il faut vraiment l'entendre dans différentes mouvances religieuses. Mmh. Mais avec ce principe de répondre à un manquement de la religion protestante. Et donc, cette communication avec les esprits permet de s'ouvrir à un espace spirituel où on fait intervenir du social. C'est une religion que vous décrivez en fait, la Viviane Perret. Alors, c'est pas une religion. Non, c'est vraiment un mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez être d'obédience religieuse diverse et participer à ce mouvement. Et dans le spiritualisme, il y a quelque chose de très très important, c'est qu'on s'affranchit du couple somnambule-magnétiseur. Parce que avant, pour pouvoir communiquer avec les esprits, on avait un couple qui était la somnambule, qui était mise en transe par un magnétiseur. Et à partir de là, il y avait une communication. Mais avec les petites gamines, avec Kate et Maggie, c'est terminé. C'est de la liaison en direct. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. D'accord. Alors, elle commence à se produire. Là, vous voyez, on commence à glisser dans un côté théâtral, spectaculaire. C'est là où on s'aperçoit que les coups dans le mur, ce n'est pas très pratique quand on se produit sur une scène de théâtre. Et qu'en conséquence, les tables, c'est bien plus pratique. Ça a été inventé à ce moment-là ? Alors, inventé non, parce qu'on
trouve même dans les périodes de la Grèce ancienne, on trouve des histoires de tables parlantes. De faire tourner, de faire parler. Comme on disait, voilà, de tables parlantes. Mmh. Mais ça devient véritablement quelque chose de pratique. Il y a même des guides qui sont édités de comment faire tourner les tables, comment faire parler les tables. Alors ça vient des États-Unis. Oui, et puis le fameux père du spiritisme français, Allan Kardec. D'ailleurs, c'est pas son vrai nom. On va expliquer pourquoi. Il se passionne tout d'un coup pour ce qui va devenir le spiritisme. Comment il y est mené et qu'est-ce qu'il découvre lors de ses séances qui va changer sa vie? Alors en fait, au départ, il se passionne pas du tout pour le spiritisme. C'est même contre sa nature. C'est quoi son métier? À l'origine, alors c'est très intéressant parce qu'il est typique en fait de cette période. C'est-à-dire qu'il est né donc sous Napoléon Ier. Son père, qui est un magistrat, donc il vient quand même de la petite... de la moyenne bourgeoisie lyonnaise et de l'Ain, l'envoie faire ses études à Yverdon en Suisse dans une école très spéciale qui est de Pestalozzi, qui est un disciple de Rousseau, où donc on n'apprend plus bêtement. On ne pourra pas détailler toutes ses études parce qu'on n'a pas tant que ça. Vivien Perret a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est important. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que Allan Kardec était à l'origine un homme, enfin, il était un homme sérieux qui a fait des études sérieuses, c'était un pédagogue. Et donc, comment il découvre le spiritisme et pourquoi il se fait appeler comme ça tout d'un coup? Voilà, parce qu'il continuait à s'intéresser au magnétisme. Mmh. Et puis, il est arrivé une chose extrêmement... sans laquelle il n'y aurait pas eu le spiritisme, c'est qu'il avait fondé une école à Paris, tout à fait dans la lignée de ses études, et il a tout perdu. Le bailleur de fonds a repris ses billes, et en conséquence, il s'est retrouvé avec du temps libre, et il s'est intéressé au magnétisme, et c'est un magnétiseur qui est venu lui dire « Viens voir ces séances de table tournante ». Mais il était contre au début. Et alors, Allan Kardec, ça vient d'où ce nom? Eh bien, lors d'une séance... Il faut rappeler son vrai nom d'abord, Hippolyte Léon Denisard Rivaille. Donc, c'était plus compliqué. Pour avoir la postérité, faut que j'ai un nom qui claque. Voilà. Mais lors d'une séance, en fait, l'esprit Zéphyr lui a dit qu'ils s'étaient rencontrés sous la Gaule ancienne et qu'ils avaient été druides ensemble et qu'ils s'appelaient Allan Kardec. Et donc, c'est le pseudonyme qu'il va choisir pour publier le livre dont il est le théoricien. C'est un codificateur. Ça n'est pas un fondateur du spiritisme, mais c'est un codificateur du spiritisme. Esprit, es-tu là? C'est le titre de votre livre publié, édité à la librairie Vuibert. On va raconter ce soir de mai 1855, dans un court instant, quand Allan Kardec participe à cette séance de spiritisme, l'une de ses premières séances. Récit à venir sur RTL. RTL. Si je vous parle de spiritisme, vous penserez sans doute aux séances de spiritisme, aux Ouija et aux tables tournantes. Esprit, es-tu là? La curiosité est un vilain défaut. La séance à laquelle vous assistez en ce moment s'appelle spiritisme. Le but est d'entrer en contact avec l'esprit des morts. Thomas Hugues. Connaître leur passé et aussi notre avenir. Sidonie Bonnec. En réalité, ces pratiques ne correspondent qu'à une partie de la mouvance spirit. Parler aux esprits, aux morts, mieux comprendre le monde d'avant et d'après, c'est l'essence du spiritisme, cette doctrine fondée en France par Allan Kardec. C'est l'historienne Viviane Perret qui nous en parle. Alors moi, j'avoue, je ne connaissais pas le nom de cet homme et ce destin qui est assez incroyable. Donc, il découvre le spiritisme, on l'a dit, un soir de mai 1855. Qu'est-ce que ça représente pour lui? En fait, il est invité par cet ami magnétiseur et surtout, ce qui est important à retenir dans cette fameuse séance chez Madame Pleine Maison, c'est qu'il va croire à la réalité de ce qu'on appelait les tables tournantes ou les tables parlantes à l'époque. Mais en revanche, tout de suite, il va prendre une orientation différente. C'est-à-dire que lui, communiquer avec un grand-père défunt, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il veut faire, l'avenir, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est utiliser cette communication avec des esprits qui, pour lui, sont des âmes des défunts, de façon à enrichir l'humanité. Qu'est-ce qu'il a appris alors en communiquant avec les morts, Allan Kardec? Qu'est-ce qu'il découvre? Ce qu'il va découvrir, et c'est ce qui va donner le livre des esprits, c'est qu'il va assister à de nombreuses séances, des amis qui se rencontrent et dans lesquels il y a les fameux Sardou, père et fils,
vont lui apporter une petite cinquantaine de cahiers dans lesquels il y a leur propre communication et vont lui demander d'en faire une théorie, d'arranger, de structurer tout ça, ce qui lui convient très bien puisque c'est un ancien instit, parce que c'est un personnage. Donc c'est pas lui qui communique directement avec des extraits. Alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il assiste aux séances et ensuite, quand il va écrire le livre des esprits, qui est publié en 1857, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, tous ces cahiers qu'il va théoriser, il va assister à des séances de spiritisme et il va poser des questions. Mais c'est pas jamais poser des questions du genre comment ça, est-ce que je vais obtenir l'héritage de grand-mère, ouais, etc. On est toujours dans le folklore. C'est ça que je suis en train de découvrir avec vous. C'est un pédagogue et qui aborde ça d'une façon assez rigoureuse, presque scientifique. Quoi. Totalement. Scientifique, parce que pour lui, c'est une doctrine scientifique, c'est-à-dire que c'est l'observation qui permet de prouver la communication avec les esprits, et on n'est pas là pour s'amuser. Mais il était connu à son époque, c'est devenu une espèce de star de cette seconde moitié du 19e. Énorme. Alors, je n'utiliserai pas le mot non, star. Non, c'est le mot d'aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la dernière partie de son existence, c'est-à-dire qu'il découvre les tables tournantes, théorise le spiritisme, il a une cinquantaine d'années, et il meurt en 1869 à 64 ans. Donc, ça va aller très vite, et il va faire le tour de France, et il va créer ce mouvement qui va avoir des millions d'adeptes. Un mouvement qui est donc une doctrine, une philosophie au milieu du 19e siècle, Viviane Perret, mais qui est aussi un mode de vie, un projet politique. Qu'est-ce qui va se graviter autour ? Alors, le projet politique qui un petit peu se dessine, c'est que quand même, beaucoup d'esprits sont plutôt républicains que bonapartistes. Ça, c'est déjà le premier point. Il y a des collectes d'argent. Les esprits avec qui ils rentrent en contact ? Tout à fait, oui, oui. Mais on n'est pas dans une discussion... Ça, pardon, mais pour moi, ça disqualifie un petit peu l'affaire, parce que les esprits d'il y a un ou deux siècles, qu'est-ce qu'ils connaissaient de Bonaparte ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais parce que vous n'êtes pas dans ce contexte. Mmh. Et vous n'êtes pas non plus dans ce contexte où vous avez d'énormes progressions technologiques, vous avez la photographie, ensuite il va y avoir un mouvement extrêmement important qui va s'appeler la photographie spirit. Donc il faut vraiment se replacer dans ce contexte où on est entre le premier et le second empire. On a cette république avec les journées 1848, cette république moribonde qui va aboutir avec le coup d'état de Louis-Napoléon. Donc tout ça, vous avez des aspirations politiques qui se reflètent aussi dans les communications. Mais ce qui est très important à noter pour le spiritisme, c'est deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas là pour rigoler. Et la seconde, c'est que par derrière se crée une communauté sociale. Avec des cercles spirites, c'est ça ? Oui, avec des cercles spirites. Ouais. Alors c'est des crèches avec que des gens qui parlent avec les morts, non ? Non, mais pas du tout. Mais en fait, vous n'avez pas de sécurité sociale. Donc, il se crée aussi une entraide communautaire qui fait partie du spiritisme. Vous n'êtes pas là pour communiquer avec les morts pour des choses aussi triviales que l'héritage de votre grand-mère. Vous êtes là pour progresser. Dans ces cercles spirites, ce sont des gens qui ont l'habitude de communiquer, c'est ça, avec les morts et qui croient en cette communication. Et alors pourquoi, quand vous dites, vous racontez qu'ils lèvent de l'argent pour financer des crèches, des maisons de retraite, etc. C'est quoi ? Ils créent une communauté autour de cette croyance ? Chaque cercle qui se crée dans les villes, comme par exemple à Lyon, à Toulouse, à Marseille, en même temps, pratique une entraide communautaire. Donc, les personnes qui font partie de ces cercles spirites vont verser de l'argent de façon à améliorer le quotidien. D'accord. On parle d'entraide sociale. C'est un modèle de société qu'on essaye de créer. Ça va au-delà de séances de spiritisme. Et ça va au-delà de séances de spiritisme parce que le but du spiritisme est de faire progresser l'âme humaine. Ça n'est pas juste de communiquer avec un défunt proche. En un mot, vous avez évoqué le Brésil d'aujourd'hui, le kardecisme, c'est quoi ? Le kardecisme, en fait, à partir des années 1880, le spiritisme est arrivé au Brésil et il a pris racine de façon extraordinaire et il est devenu officiellement une religion, ce qui n'est pas le cas du spiritisme en France. Il est devenu une religion et là, toute cette entraide communautaire qui est indispensable au Brésil a pris une expansion extraordinaire. Et là, vous avez même des hôpitaux psychiatriques. Et contrairement au spiritisme français, vous avez véritablement le spiritisme qui est à tous les niveaux des soins, puisque vous avez des séances de désenvoûtement dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Donc là, Si ça s'appelle le kardecisme, ça veut dire que cette communauté au Brésil, elle se réclame des écrits, des livres d'Alan Kardec, ce français. Donc, au Brésil, il est fondateur, alors que pour l'Europe et la France, il est codificateur. Mmh.
D'accord, très bien compris. Esprit, es-tu là ? C'est le livre que vous publiez à la librairie Vuibert. Une phrase que Victor Hugo a certainement prononcée, grand adepte du mouvement. Il voulait parler à sa fille Léopoldine, morte 10 ans plus tôt. Le récit de Victor Hugo et du spiritisme, c'est tout de suite sur RTL. Jusqu'à 15h, je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Et tu en vois souvent ? Tout le temps. Sur RTL. Extrait de Sixième Sens, vous rappelez, avec cet enfant qui parle avec les morts, qui communique avec les morts. Là, on va plutôt parler d'un papa qui essaye de communiquer avec sa fille. On vous raconte l'histoire du spiritisme avec l'historienne et écrivain Viviane Perret. Victor Hugo perd sa fille Léopoldine et il décide de... d'entrer en communication avec lui parce qu'il sait qu'il peut, en fait il croit qu'il peut en tout cas le faire avec cette mode du spiritisme qu'on appelait d'ailleurs au milieu du 19e siècle plutôt encore le spiritualisme. Comment il va entrer en communication avec son enfant défunt ? Alors vous savez que Victor Hugo a été exilé donc sous le Second Empire et il se retrouve à Guernesey dans une maison un peu tristoune et en faisant pas grand chose et arrive Delphine de Girardin qui est une de ses amies qui elle est complètement accro à cette nouvelle mode du spiritualisme et qui dit on va essayer, elle essaye avec la table de la salle manger qui refuse de se soulever, donc elle va dans un magasin d'enfants sur l'île, elle achète un petit guéridon et là ça marche. Et dans cette première communication où Victor Hugo était quand même pas extrêmement partant. Il est sceptique Victor Hugo ? Oui, un petit peu sceptique et puis bon il y a un côté quand même transgressif hein. C'est l'Église catholique apprécie pas particulièrement qu'on communique avec les esprits des défunts. Donc il va y avoir ce guéridon qui se soulève et l'âme de Léopoldine, sa fille trop tôt disparue, qui est morte noyée, qui se manifeste. Donc elle là, c'est un énorme. Dans des conditions avec son amoureux qui a tenté de la sauver, qui a plongé, je crois 5 ou 6 fois dans le fleuve, alors avant de lui-même mourir en essayant de sauver Léopoldine. C'est un grand romantique que nous avons là. C'est une histoire magnifique. Et puis c'est un très beau poème de Victor Hugo. Et c'est un très beau poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je pourrais continuer. Hein. Esprit, tu es là alors. Je marcherai, les yeux tournés vers mes pensées, et bien, etc. Justement, vous recréez cette atmosphère où c'est un père qui n'arrive pas à surmonter la mort de cette fille. Vous avez, avec les coups qui sont donnés, qui représentent des lettres d'alphabet, donc il faut quand même bien se rendre compte que tout ça, c'est long, ce sont des séances longues. Qu'est-ce qu'elle lui raconte, Léopoldine, on le sait ? Alors au début, elle se présente comme âme soror, c'est-à-dire l'âme et qui serait la sœur d'une personne qui serait à table, sauf que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui pourraient correspondre. Et puis elle se présente comme Léopoldine. C'est la seule et unique fois où elle va se présenter à une séance. Mais après, Victor Hugo est mordu. En plus, il n'a pas grand-chose à faire à Guernesey et il va passer 2 années à faire des séances. Mais sans réussir à de nouveau rentrer en contact avec sa fille, c'est ça ? Et ça ne l'intéresse peut-être plus parce qu'à la place, nous avons Shakespeare, nous avons du beau linge et nous avons même des concepts abstraits qui viennent. Alors attendez, il va parler. Je disais ça dans votre biographie, dans votre histoire, Dante, Racine, donc Shakespeare, Eschyle, Molière, Aristote, Mahomet, Jésus, Louis VI et Charlotte Corday. Oui, j'aime bien Charlotte Corday, qui regrette un peu son geste. Qui assassinait Marat, oui. Voilà. Mais aussi des concepts, c'est-à-dire qu'il fait venir la mort, il dialogue avec la mort, il dialogue avec la poésie. Là, on se dit qu'il fait un peu son intéressant, là, Victor Hugo, parce que alors, j'ai du mal à croire qu'il ait pu parler avec toutes ces personnes. Tous ces procès-verbaux de séance ont bien sûr été écrits. C'était lui le scribe, parce que dans une séance, vous avez toujours un scribe qui ne participe pas. Le médium était Charles, son fils. Donc effectivement, on peut vraiment se poser la question de savoir quelle est la part totalement émotionnelle de cette famille, d'un fils qui ne trouve pas sa place à l'ombre d'un père. Vous savez, connaissez le proverbe, rien ne pousse à l'ombre du baobab. Que Victor Hugo... les retranscriptions des procès-verbaux, c'est très hugolien. On a des morceaux des procès-verbaux qui ensuite vont ressembler étrangement à des choses qu'il a écrites après. Donc là, à mon avis, c'est plus la psychanalyse qui aurait fait ses choux gras de ces séances-là. Aujourd'hui, où est enterré le père du spiritisme français, Alain Kardec ? Il est enterré au Père Lachaise. Alors, quand il est mort en 1869, il a d'abord été à Montmartre, et puis il y a eu une souscription. On l'a déplacé 1 an plus tard au Père Lachaise. Oula, doit y avoir et
rituel. S'il est au Père Lachaise, il va y avoir du monde voilà, autour. Et on lui a fait un beau mausolée en granit. Il y a sa statue aussi ? C'est un buste. Un buste, en fait, c'est un buste qui a été détruit et volé plusieurs fois, parce qu'il y a systématiquement des petits plaisantins qui se réclament d'associations rationalistes, mais en fait, le buste réapparaît. Qu'est-ce qu'il a demandé à Allan Kardec avant de mourir ? Rien de particulier à paraître enterré avec sa femme, Amélie. Vous voulez pas qu'on touche la nuque. Alors ça, c'est une la nuque de son buste pas pour du réaliser tout. Ses. Et vœux. C'est tellement anti Allan Kardec, qui était un homme froid, que ses contemporains disent qu'il riait rarement, qu'il voulait absolument dépoussiérer le spiritisme de tout le côté théâtral et du spiritualisme. Donc avec lui, plus de coups, plus de guéridons qui dansent. Ça ne se fait plus le soir, ça ne fait plus dans l'obscurité, ça se fait en plein jour. C'est très conseil d'administration. Donc, c'est sûr et certain qu'il n'aurait jamais demandé à ce qu'on lui vienne lui caresser la nuque pour faire un vœu. Donc, ce sont des légendes qui sont nées après. Parce tout que grand voilà. homme a ses légendes. Ouais. Et puis ensuite, et ben, il suffit qu'elle soit écrite une fois sur Internet, répétée, et puis elle devienne vérité. Et donc, on lui touche depuis la nuque de son buste au Père Lachaise, le pauvre. Tombe est l'une des plus fleuries donc, aussi du Père Lachaise. Laissez-le tranquille. Merci beaucoup, Viviane Perret. Esprit et tu l'as est édité à la librairie Vuber. Et puis, vous écrivez aussi des romans, une série de romans aux éditions du masque, Houdini, magicien et détective. Merci à vous. Merci. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.